9, 10. Je vais me cacher. Mais où tu te caches? Tu es où, ma puce? T'es tout seul? Ouais. Tu révises? Je revois des cours de droit, ouais. J'ai un partiel de relations internationales lundi. Relations internationales, t'es prêt? Ouais. Dernier chapitre un peu complexe, mais sinon ça va. Et toi, ça va? Ça va, ça va. T'es pas fait d'euros, c'est quand? Mardi prochain. T'es là ce week-end, du coup? Non, je suis chez Paul. Il fait une soirée. Soirée chez Paul? Ouais. Un super timing, ça. Tu vas comment? C'est maman qui m'emmène. C'est maman qui t'emmène avec quelle bagnole? Pas la mienne, en tout cas. J'en sais rien. Bon. Et Paul, ça va? Tu vas avec sa copine? Papa! Ah, ma chérie. Hop là! Tiens, un bisou. Ça va, ma puce? Oui. Oh, t'es belle comme ça avec tes cheveux lâchés. Merci. Regarde ce que papa t'a acheté. Oui. Non, c'est pour apprendre le piano. D'abord, tu vas montrer à ton papa comment t'as bien progressé au piano. T'en es où? À mon troisième couplet. Troisième couplet? Papa, est-ce qu'on pourra aller se promener tous les deux, s'il te plaît? Où tu veux aller, ma puce? Dans la forêt! Tiens, avec maman, d'accord? Non, je voulais aller qu'avec toi. Si, tiens, avec maman, parce que tu sais que maman, elle a le temps. Non. Dis donc, toi, t'arrêtes de faire ta petite tête, là. Non. T'arrêtes de faire ta petite tête. Non. Tu me montres comment t'as bien progressé au piano? Oui. Allez, viens. Quand, s'il te plaît? Oui. Maman? Oui, plus tard. Maman, on fait un cache-cache? Maman? Mais écoute, attends une minute. Va jouer, je vais te rejoindre tout à l'heure.
Marie ? Marie ? Marie, tu m'entends ? Marie ! Marie, tu m'entends ? Marie ! Allez, va te coucher, ma puce. Ça va ? Marie est partie se coucher. Il est arrivé un petit incident dans la forêt tout à l'heure. Comment ça, il s'est passé un petit incident dans la forêt ? Elle s'est perdue dans la forêt. Ben, elle s'est perdue. Qu'est-ce que ça veut dire, elle s'est perdue dans la forêt ? J'étais en train de travailler, tu sais, sur mon dossier chrono. J'y arrive plus en ce moment, j'ai trop de travail. Elle a resté seule combien de temps ? Mais c'était juste 2 minutes, c'est pas grave. Je l'ai retrouvée maintenant, c'est fini. Mais tu veux dire que ton contrat de location de parking, là, ça t'empêche de t'occuper de notre fille, c'est ça ? Mais pas du tout. C'est n'importe quoi. Et toi, t'étais où cet après-midi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que t'as ? Oh non. Oh. Allez, viens, écoute. Oh. Allez, calme-toi. Allez, calme-toi, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Hein ? On va changer les draps. Allez. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? Un gros chagrin ? Hein ? Alors, ma puce, ça a recommencé ? Hein ? Allez, viens, c'est pas grave. On va aller changer avec papa, puis on ira jouer du piano après, d'accord, ma puce ? Hein ? Maman, tu peux m'aider à faire mes cartes d'anniversaire, s'il te plaît ? Plus tard, Marie. Mais c'est dans une semaine ! Maman ! Marie, je travaille. Maman ! Maman ! Maman ! Écoute, Marie, je travaille, là. Mais... Bon, écoute, Marie, je vais pas te répéter 100 fois d'arrêter de me déranger quand je travaille. Tu peux bien t'occuper 2 minutes, non ? Et j'ai pas que ça à faire que de jouer. Mais c'est bientôt mon anniversaire. Il y aura pas d'anniversaire.
Il n'y aura pas de carte d'anniversaire. Elle est file dans ta chambre. Ça veut pas piquer. Tiens la droite. Elle est finie, ma puce. Papa, ça veut pas piquer. Tiens la droite. C'est bien, ma chérie, t'es tout fini. Allez.
Je voulais pas te faire peur. N'allume pas. Tu veux faire ta femme indépendante? Tu veux leur donner un exemple? Hein? C'est ça que tu veux? Thank you.